Guillaume Kigba-Forissoro a dévoilé ce 31 décembre 2021 l'identité des personnes qui ont attenté à sa vie le 29 juin 2007. 14 ans plus tard, soit le 31 décembre 2021, l'ancien président de l'Assemblée nationale a, dans un discours, dévoilé l'identité de ceux qui avaient voulu le tuer. Selon lui, ceux qui en voulaient à sa vie n'étaient pas les partisans du président Laurent Gbagbo, qu'il combattait pourtant. Nous sommes des Ivoiriens, on se doit le pardon mutuel. Pourquoi aller de vengeance en vengeance? Vengeance, revanche? Pourquoi? Pardonnons-nous. On a tiré sur mon avion, moi là, on n'a pas fait tentative de coup d'état contre moi, on a tiré sur mon avion, il y a eu 4 morts. Je connais ceux qui ont tiré, parce que j'ai fait faire des enquêtes. Est-ce que vous m'avez entendu dire que je poursuis quelqu'un là-bas? Quand les gens ont voulu parler, j'ai dit laissez ça, c'est mon attentat. Mais je connais ceux qui ont tiré sur l'avion. Quand j'ai vu Gbagbo, je lui ai dit, ce n'est pas toi. Je connais ceux qui ont tiré, parce que j'ai fait faire des enquêtes, a déclaré Guillaume Soro. Il révèle par la suite que les personnes qui en voulaient à sa vie sont encore en vie, et la plupart d'entre elles sont encore dans l'armée. Ils sont vivants, ils vivent en Côte d'Ivoire. Pour certains, ils sont encore dans l'armée, qui ont organisé, et qui ont tiré sur mon avion pour me tuer. J'ai pardonné, j'ai laissé tomber. J'ai dit, si Dieu m'a sorti de l'avion vivant, pourquoi encore aller faire des histoires? C'est ça la réconciliation, c'est ça le pardon, a affirmé Guillaume Soro.